learn and play al'ab wa ata'allam hayya bina Salam alaikum les enfants, on va bientôt commencer, inch'Allah. Allez, encore 30 secondes, et on commence, inshallah. Vu qu'il y a des impatients. Masha'Allah, Abu Bakr, Allahumma Barik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donc les enfants, comme promis hier dans le cours sur la création du monde, je vous ai dit que j'allais vous préparer un cours sur les anges. Et comme il y a énormément de choses à dire sur les anges, nous allons, inshallah, peut-être faire deux ou trois cours sur les anges afin d'évoquer ensemble les choses les plus importantes à connaître au sujet de ce monde, le monde des anges, ce monde qui est un monde où le musulman doit connaître, c'est un monde que le musulman doit connaître, car... Il fait partie de la foi du croyant musulman de croire en aux anges. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa Sunna ils nous ont informés de l'existence des anges. Ils nous ont informés du rôle des anges et nous avons plusieurs textes du Coran et de la Sunna qui parlent des anges qui nous informent que les anges sont généreux que les anges ils ont peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que les anges ils adorent Allah d'une adoration véritable que les anges ils or ils exécutent ils font tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur ordonne et que les anges ne désobéissent jamais à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors la première chose, c'est de savoir comment on dit un ange en arabe. Comment dit-on un ange en arabe? Alors vous pouvez répéter, on dit Malak. Malak. Malak, c'est un ange. Malaika, ce sont des anges. Donc lorsque vous entendez ce mot, Malak, Malakul Maut, l'ange de la mort. El Malaika, les anges. Il est important de savoir comment nous disons. Les anges dans la langue arabe. Et ce mot, pourquoi Allah Ta'ala a appelé les anges malek ou malaika En arabe, ça vient. Euh, le, 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 ce mot dans la langue arabe, il veut dire le message, parce que les anges, les malaika, sont des messagers d'Allah. Ce sont des messagers d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et d'autres savants ont donné d'autres significations, mais nous, nous allons nous arrêter sur, sur celle-ci. Vous savez également, les enfants, que le musulman, il doit croire en six choses. Puisque Allah تبارك وتعالى dans le Coran Il dit سوره البقره امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون الله تبارك وتعالى nous Que le messager Ainsi que les croyants ont cru Ils ont cru en ce qu'Allah Ta'ala ta a révélé. ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et le musulman, il doit croire en six choses, comme lorsque l'ange Jibril, alayhi salam, L'ange Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et comme on le verra, il avait l'apparence d'un être humain, il lui a dit, ya Muhammad, oh Muhammad, akhbirni anil iman, informe-moi sur la foi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, al-iman, la foi consiste en tu'mina Allah. » Comptez avec moi, que tu crois en Allah, ça fait un. Wa malaikatihi, que tu crois en ses anges, ça fait deux. Wa en ses livres, ça fait trois. Wa rusulihi, en ses messagers, ça fait quatre. Wa au jour dernier, ça fait cinq. Wa et au destin, qu'il soit bon ou mauvais, ça fait six. Donc le fait de croire aux anges, le fait de croire aux anges, ça fait partie des piliers de la foi. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, moi je crois aux anges. Mais il est important de comprendre et de savoir comment je dois croire aux anges. Que signifie la croyance aux anges? Alors, sachez que la croyance aux anges, il y a plusieurs points à connaître, à comprendre et à appliquer. La première chose, je dois croire qu'ils existent. Donc, si je te pose la question, est-ce que les anges existent? Tu es certain que les anges existent. Il n'y a aucun doute sur cela. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi, les anges, je ne les vois pas, donc je n'y crois pas. Eh ben, celui qui ne croit pas en l'existence des anges, il n'est pas musulman. Il n'est pas croyant. Il est capital et obligatoire de croire en l'existence des anges afin d'être un croyant, afin d'être un musulman. La deuxième des choses à savoir et à croire, c'est de les mettre au rang qui qu leur convient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que certains, comme on a dit, ils ont dit, nous on n'y croit pas. Nous on n'y croit pas. Et euh, les anges, on n'en parle pas, on n'y croit pas, etc. Et d'autres, ils ont fait le contraire. Ils ont tellement, tellement donné des places aux, une place importante aux anges qu'ils ont adoré les anges alors que non nous nous sommes les gens de la sunna les gens de la sunna nous sommes au milieu c'est-à-dire que nous considérons que les anges sont les serviteurs d'Allah ce sont des créatures d'Allah, comme les humains et comme les djinns. Ils doivent obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme Allah, il a créé les êtres humains, comme Allah, il a créé les djinns, comme Allah, il a créé les animaux, et ben Allah, tabaraka wa ta'ala, il a créé également les anges. Les anges ne peuvent rien faire sauf si Allah il leur autorise. Les anges aussi vont mourir. Mais bien sûr, Allah Azza leur a donné une vie plus longue que la nôtre. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il leur a donné des capacités, des pouvoirs que l'être humain n'a pas. Mais, cela ne veut pas dire que nous devons adorer les anges. Parce que les anges ne détiennent pas les pouvoirs qu'Allah détient. Qui nous a créés? C'est Allah ou c'est les anges? C'est Allah. Qui nous donne la vie et qui nous donne la mort? C'est Allah et c'est pas les anges. Qui voit tout, qui entend tout, qui contrôle tout, qui gère tout, qui administre tout, qui donne la nourriture à toutes les créatures. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas les anges. C'est pour cela que je respecte les anges, je crois en leur existence, je crois qu'ils sont des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais je ne les adore pas. Également, il est important de reconnaître que parmi les anges, il y en a qu'ils ont été choisis pour être les messagers d'Allah, qu'Allah Ta'ala ta envoie à qui Il veut. Tout comme parmi les êtres humains, Allah azzawajal, Il a choisi des êtres humains pour être des prophètes. Donc il y a des êtres humains qui sont plus important que d'autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur des êtres humains. Eh ben, l'ange Jibril est le meilleur des anges. Également, Allah tabaraka wa ta a choisi parmi les anges que certains vont porter son trône. D'autres vont garder le paradis. D'autres vont garder l'enfer, d'autres vont enregistrer les actions des serviteurs, etc., etc., etc. D'autres vont gérer le, les nuages, les mouvements des nuages, le vent, etc. Et tout cela est détaillé dans le Coran et dans la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons, bi idhnillah, voir toutes ces choses-là ensemble. Ensuite, nous passons à un sujet important. On a dit tout à l'heure que les anges... Allah, t'abaraka wa ta'ala, Allah azawajal, il leur a donné. Allah, t'abaraka wa ta'ala, il leur a donné un pouvoir. Il leur a donné une capacité qu'il n'a pas donnée à autre que lui, à autre, aux autres créatures. Allah, t'abaraka wa ta'ala, il leur a donné des caractéristiques physiques qu'il n'a pas donné aux djinns ou qu'il n'a pas donné aux êtres humains. Et nous allons en voir quelques-uns. La première chose, c'est la, une des particularités des anges, c'est que les anges ont été créés à partir de lumière. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les anges ont été créés à partir de lumière. Les djinns ont été créés à partir d'un feu. Un feu pur, sans fumée. Et les êtres humains, Adam alayhi salam, a été créé à partir de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire à partir de, de l'argile. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que les anges ont été créés à partir de lumière. De quelle lumière, nous ne savons pas. Seul Allah Ta'ala ta le sait. Il y a des choses que nous nous ne savons pas que les hadiths ne nous ont pas cité Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas cité, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas d'importance. Parce que toutes les choses qui ont une importance, on le trouve dans le Coran et la Sunna. Ce qui n'est pas cité, c'est qu'il n'a pas de d'importance. Nous, ce que l'on sait, c'est que les anges ont été créés. À partir de lumière, les anges ont été créés à partir de de lumière. Ensuite, quand est-ce que les anges ont été créés Alors la même chose, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils ont été créés. Par contre, nous savons qu'avant les anges n'existaient pas et qu'Allah Ta'ala ta a créé les anges avant d'avoir créé les êtres humains puisque lorsque Allah a décidé de créer adam qu'est- ce qu'il qu'est ce Ta'ala qu a dit il a dit aux anges et lorsque ton seigneur dit aux anges je vais créer un khalifa sur terre. Je vais créer je vais créer un khalifa un khalifa, on peut dire un, euh, un lieutenant, on peut dire un khalifa, c'est-à-dire que Adam alayhi salam Adam alayhi toute sa descendance va le succéder. Donc, Allah, tabaraka, wa ta'ala, il a informé les anges qu'il allait créer Adam, alayhi salam. Ça veut dire que les anges ont été créés bien avant les êtres humains. Également, on sait qu'Allah, tabaraka, wa ta'ala, a ordonné aux anges et aussi aux djinns il a ordonné aux anges de se prosterner, de se prosterner devant Adam, alayhi salam, comme on l'a vu dans la leçon d'hier, comme on l'a vu dans le cours d'hier. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam? On peut citer deux choses. Premièrement, les anges se sont prosternés devant Adam par adoration en Allah, pour adorer Allah, puisqu'Allah leur a donné un ordre. Allah Azzawajal leur a donné un ordre, et eux ils ont obéi à l'ordre d'Allah. Ils ont obéi à l'ordre d'Allah, donc en obéissant à l'ordre d'Allah, ils vont. Ils ont par cela adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se sont prosternés devant Adam pour saluer, pour saluer Adam alayhi salam. Donc, ce que l'on retient de cela, c'est que les anges ont été créés avant Adam alayhi salam, avant les êtres humains alors une question qui se pose est-ce que l'on peut voir les anges est-ce que l'on peut voir les anges alors sachez les enfants que comme les anges ont été créés de lumière et que leur corps et que leur corps est un corps qui est lumineux eh bien les êtres humains ne peuvent pas le voir parce qu'Allah Ta'ala Il n'a pas donné à nos yeux la capacité de les voir. C'est pour cela que personne, aucun être humain n'a déjà vu les anges sous, sa forme, sous leur forme réelle, sauf un seul être humain. Il y a Qu'un seul être humain à qui Allah Tabaraka Ta'ala a donné la capacité, le pouvoir de voir les ans ou de voir notamment l'ange Djibril alayhi salam deux fois, c'est qui cet être humain C'est le meilleur des êtres humains, c'est le dernier des prophètes. Bien sûr, c'est notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril deux fois, dans sa vraie forme, c'est-à-dire dans la forme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Parce que les anges, en dehors de cela, lorsqu'ils lorsqu ont été vus par des êtres humains, ils ont pris la forme humaine. Ils se sont incarnés en un être humain, donc là, les êtres humains ont pu les voir. Comme quand Jibril, salam, est venu, les compagnons l'ont vu, mais ils ne savaient pas que c'était Jibril. Mais Jibril, il n'est pas venu sous sa vraie forme, sous sa forme originelle, sous sa forme première, sous la forme qu'Allah Azzawajal l'a créé, il est venu sous la forme d'un être humain. Donc, retenez, il n'est pas possible de voir pour les êtres humains, les anges sous leur forme réelle. À part le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vu Jibril deux fois à deux reprises sous sa forme réelle comme b'idhni on reviendra dessus. Par contre, si un ange, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises dans l'histoire des prophètes, L'ange vient sur terre sous la forme d'un être humain. Dans ce cas-là, les êtres humains, c'est comme si qu'ils avaient vu un autre être humain, alors que c'était un ange qui s'est incarné en un être humain. Sachez également, les enfants, que les anges sont immenses. Les anges sont une créature, une très grande créature, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé ils ne sont pas la plus grande créature mais ils sont très grands Allah Azza wa dit Ya amanu oh vous les croyants préservez-vous qu'au infosakum wa ahlikum nara préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu le feu de l'enfer et dans le feu de l'enfer, les hommes et les pierres vont servir de combustible pour allumer, pour, pour que le feu continue à brûler. Il y a des gens, des messieurs, des madames qui vont brûler dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, protégez-vous, préservez-vous de ce feu. On ne doit on doit tout faire pour ne pas aller en enfer. Et cet enfer, il est gardé par qui Par des anges qui sont très grands, par des anges qui sont très forts, par des anges qui ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah, par des anges qui font ce qu'Allah leur a demandé. À titre d'exemple, nous allons voir à quel point l'ange Jibril, alayhi salam, il est très grand. Le prophète sallallahu alayhi wa a vu l'ange Jibril deux fois, comme on a cité tout à l'heure. Il l'a vu deux fois sous sa forme, euh, sous la forme, ce qu'on appelle angélique, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Allah, tabaraka, wa ta'ala, a permis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de, de le voir deux fois. Comme cela a été cité, comme cela a été cité dans, dans le Coran. Et, Aisha, radiallahu anha, elle rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai jamais vu jibril dans sa forme originelle dans laquelle il a été créé sauf deux fois et je l'ai vu descendre du ciel et lorsqu'il est descendu du ciel il a obstrué tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre jibril alayhi salam est très grand Jibiril, alayhi salam lorsqu'il s'est montré au prophète, alayhi wasalam, le prophète alayhi wasalam, ne pouvait plus voir le ciel. Imaginez-vous, il ne pouvait plus voir le ciel. Également, il dit le prophète alayhi wasalam, dans un hadith authentique que Djibiril. Jibril, alayhi salam, il avait plus de 600 ailes. Il avait plus de 600 ailes. Et il était, il était, euh, il se, il était comme sur une sorte de, de grand coussin. Et le prophète, alayhi wa salam, il dit, il était sur une sorte de coussin qui a Empli qui a rempli l'espace entre le ciel et la terre, et il possédait six, plus de six cents ailes, et sur chacune de ces ailes, il y avait toutes des choses multicolores, des perles et des pierres précieuses qui tombaient de ses ailes. Subhanallah al-Azim, l'ange Jibril, alayhi salam est un ange immense et magnifique. Également, ce qui nous prouve l'immensité et la grandeur des anges, il y a ceux que l'on appelle « Hamalatul Arj » ceux qui portent le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sachez les enfants, qu'Allah Azza wa il est tout en haut. Allah subhanahu wa ta'ala, il est séparé de sa création, Allah azza wa jal, il est tout en haut, séparé de ses créatures, il surveille tout, il voit tout, il entend tout, subhanahu wa ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala possède un trône, un arche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Il m'a été permis de vous parler d'un ange d'Allah parmi les, parmi les porteurs du trône Imaginez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne Il nous dit entre son oreille Vous avez vu ce que l'on appelle le, le, la lobe de l'oreille Quand vous touchez votre oreille il y a le, le, le bas de l'oreille qui est mou, ce qu'on appelle le pavillon de l'oreille ou la lobe, de, le, le, le lobe de l'oreille. Touche, touchez votre oreille comme ça. Entre ton oreille et ton épaule, est-ce qu'il y a une grande distance Ben non, ça va très vite entre ton oreille et ton et ton épaule. Et ben cet ange là, un seul des anges qui porte le trône d'Allah, puisqu'ils sont huit. Un seul de eux, entre eux, pour parcourir la distance entre son oreille et son épaule, il faut qu'un oiseau vole pendant 700 ans. Il faut qu'un oiseau vole pendant 700 ans pour parcourir simplement ce qu'il y a entre son oreille et son épaule. Imaginez-vous les enfants la grandeur des anges en réalité. J'utilise le terme imaginez-vous, c'est une expression, mais en réalité, on ne peut même pas s'imaginer, parce que ce sont des choses que l'on n'a jamais vues. Notre capacité, notre capacité qu'Allah nous a donnée, il ne nous a pas permis de voir ces choses-là. Par contre, nous y croyons fermement et nous sommes certains de cela. Également, parmi les choses que l'on peut finir, que l'on peut terminer, que que l'on peut continuer à dire avant de terminer le cours, puisque je sais que demain, il y a l'école et je ne veux pas prendre plus de votre temps, donc je vous retiens encore cinq minutes, inshallah, restez bien concentrés. Il y a le fait que les anges ont des ailes. Les anges ont des ailes, comme on a dit. Comme on a dit l'ange Jibril alayhi salam dispose de plus de 600 ailes et on a dit qu'à chaque aile des choses multicolores des perles précieuses des pierres précieuses descendent de ses ailes également Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate numéro 35 qu'Allah azza wa dans le premier verset Allah il a doté des anges de deux ailes, de trois ailes ou de quatre ailes. Et il ajoute à sa création ce qu'il veut. Car Allah Azzawajal fait ce qu'il veut. Il a le pouvoir sur toute chose. Donc il y a des anges qui ont deux ailes. Il y a des anges qui ont trois ailes. Il y a des anges qui ont quatre ailes. Il y a des anges qui ont plus que cela. Et l'ange Jébrel, alayhi a six sans ailes. Également, les enfants, parmi les choses importantes à savoir, c'est que les anges sont magnifiques. Les anges sont magnifiques. Les anges sont beaux. Allah, wa ta'ala, les a créés avec cette beauté les anges ont une les anges ont une très très belle apparence donc on me dit qu'il y a eu un bug donc je vais répéter rapidement Peut-être que vous n'avez pas entendu. Donc nous avons dit que les anges ont des ailes. Certains ont deux ailes. D'autres ont trois ailes. D'autres ont quatre ailes. D'autres ont plus que cela. Et l'ange Jibril, alayhi salam, a 600 ailes. L'ange Jibril, alayhi salam, a 600 ailes. Également. Les anges, ensuite, nous avons dit que les anges ont été créés. Les anges ont été créés avec une apparence magnifique. Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a donné une apparence magnifique. Comme Abdullah ibn Abbas anhumma, nous l'enseigne. Ils nous disent, lorsqu'Allah Azzawajal, il dit, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne, une très belle, une très belle apparence. Et il est connu qu'automatiquement, l'être humain, il comprend et il sait qu'un ange, c'est beau, et qu'un démon, un shaitan, c'est laid. Même si on n'a pas vu les anges on sait qu'ils sont beaux. Même si on n'a pas vu les diables, on sait qu'ils sont moches, on sait qu'ils sont horribles et qu'ils sont laids. C'est pour cela que les gens, lorsqu'ils veulent utiliser une comparaison pour dire que quelqu'un, un enfant, il est beau, ou quelqu'un, il est beau, ils vont dire, il est beau comme un ange. Et c'est ce que les femmes ont dit lorsqu'ils ont vu le prophète Youssef. Alayhi salam. Lorsqu'ils ont vu le prophète Yusuf, ils ont tellement été émerveillés de la beauté du prophète Yusuf qu'elles se sont coupées les mains et elles ont dit, mais ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange. Tellement ils ont vu la beauté du prophète Yusuf alayhi salam. Ensuite, Sachez que les anges ont la capacité de se transformer ou d'incarner de, de, d'être en en être humain. C'est pour cela que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu les prophètes. Il a vu le prophète Moussa et il a vu qu'il était un homme de taille moyenne. Il n'était pas grand et il n'était pas petit. Et il ressemblait aux gens d'une certaine tribu. J'ai vu Isa ibn Maryam et j'ai trouvé qu'il ressemblait à Urwa ibn Mas'ud. J'ai vu Ibrahim alayhi salam et j'ai vu qu'il ressemblait aux prophètes. Le prophète Ibrahim ressemblait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. et ensuite il dit j'ai vu Djibril et j'ai découvert qu'il ressemblait j'ai découvert qu'il ressemblait à un compagnon qui s'appelait Dihya al Kalbi ou même Dihya ibn Khalifa en tout cas, elle ressemblait à un compagnon qui s'appelait Dihya. Et lorsqu'il est venu, il a pris l'apparence de cet homme qu'il s'appelle Dihya el Kelbi. Il ressemblait à, à cet homme. Donc nous, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et InshaAllah, nous continuons la description des anges dans le prochain cours. J'espère que vous avez pu profiter. Ce cours vous a appris des choses. J'espère également que vous allez avoir un très bon comportement à la maison et un très bon comportement à l'école. أتمنى لكم جيداً في هذه السنة الأولى وأن الله تبارك وتعالى يحفظكم وأنه يحفظكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم